Nous restons au palais de Koh Siam. Le président du FASO a reçu ce soir même le ministre ivoirien de la Défense. Ahmed Bakayoko dit être porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homme Kinabé. Le ministère ivoirien a aussi parlé de coopération sécuritaire dans le contexte de la menace terroriste. Moussa Ouedraogo, Zoubavia David Dabi. J'étais porteur d'un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Président Hassan Ouattara. Cette audience m'a donné l'occasion de faire un tour d'horizon avec le Président du FASO. Ce tour a porté sur les enjeux sécuritaires de notre sous-région. Comme vous savez, toute la sous-région est concernée par toutes ces attaques terroristes qui endeuillent nos familles. Ça a été l'occasion pour moi, au nom du Président Hassan Ouattara, d'exprimer notre compassion à toutes les victimes et à tous les parents des victimes de ces attentats et dire notre engagement à travailler ensemble pour que nous ayons une synergie d'action pour réduire ce phénomène. C'est vrai, on n'a pas l'occasion de l'exprimer tous les jours, mais nous sommes en contact, nos services sont en rapport, les ministres sont en rapport et ensemble, nous allons avoir des initiatives, nous serons mieux sécurisés dans notre sous-région.